Donc là, les amis, je vais réagir au match Seth Rollins contre Dolph Ziggler. C'est parti. What? Shawn Michaels, mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh non, c'est Dolph Ziggler, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. You should be thanking me for every embarrassment. Tu devrais me remercier. Every embarrassment that comes back. Ça, franchement, c'est dégueulasse. For relevancy, taking our spots away. And it's just you qui n'ont plus rien à faire ici. Et qui prennent la place, que ce soit Shawn Michaels ou Goldberg, ils sont pathétiques tous les deux. Et les insultes de vieux. Keep it back. Il a insulté Shawn Michaels et Goldberg de vieux. Ce soir. You get to see the real. Tu vas voir le vrai main event. Headliner, le vrai headliner. The show stealer. Le show stealer. Oh là 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 là. C'est pas le voleur de show. C'est dégueulasse. Et Seth Rollins, Seth Rollins qui commence déjà bien fort. Coup de la corde, je sens Dolph Ziggler qui passe par-dessus la troisième corde. Hey, ça commence par le match. Attention, projection et barrière de sécurité. Seth Rollins qui commence bien pour le match. Hein. C'est Dolph Ziggler qui est en train d'en prendre un sacré coup là. C'est parti en tout cas. Attention, boum, par-dessus la balle, la sécurité. Ah oui, parce que là sur l'extérieur, voilà. Ça se remet dans le ring et il remonte dans le ring aussi, c'est bon. Il y a eu un moment comme un arrêt. Boum, les droites. Droite directement dans la tempe. Encore une droite. Il est remonté, Seth Rollins. Seth Rollins, il est vénère. Il est vénère. Oh, coup de pied dans le ventre. Ouh, la droite sur Seth Rollins. Attention. Ouh. Boum. Allez, hop là. Ouh, la droite encore. Il a raison, Loupo. Il remet le ring. Tu l'as pas loupé, hein. Oh, ce soir, vous nous faites plaisir, Philippe. Hashtag Catch Raw chez Raw of the Week. Il y a un moment forcément où ça va partir en vrille. Oh. Coup d'arpin. Oh, coup de pied dans le dos de Dolph Ziggler avec ce coup de pied. Rollins qui fait le tour du corbillard. La descente du genou portée par Seth Rollins. De l'imposteur. Dolph Ziggler qui se réfugie à l'extérieur du ring. Oh, coup de pied à la tête. Oh, non, même pas de la tête dans le zip. Dans le... Oh, non, non, non. Oh, DDT sur le bord du ring. Sur le bord du ring, le DDT. Mais il est fou. Oh, il vient de mettre KO Seth Rollins. Oh, la télé. Oh, la gauche, la droite. Oh, droite, la télé. Projection à la corde, Dolph Ziggler contre, à même pas, oh la droite, oh la ring elbow, oh dans le coin, trois qui pleuvent sur le Dolph Ziggler, coup de pied, tiens prends ça, attention, projection à la corde, ring swing, ring blade, 1, 2, et pas 3, simplement 2. Avec le poing et l'avant-bras. C'est bien ce que fait Rollins, là il arrive à troubler, à surprendre Dolph Ziggler. Bradley qui nous rappelle que Ziggler, Rollins, c'était la finale des Survivors. Oh. Et le tour avec dans les cordes, dans les cordes, dans les cordes à deux. Ouh, Ziggler avait des pieds dans les cordes. Oh, DDT contré. Qu'est-ce qu'il y a bien. Contré cette fois-ci par Rollins. Qu'est-ce qu'il y a bien. One, two, hit, just two, simplement deux.
Falcon va avoir l'une des prises magiques de Seth Rollins. Ça n'a pas fonctionné sur Ziggler. Simplement deux, oui, il ne fait pas quand même le signe du lapin. On est bien d'accord. Pour cela, on peut être rassuré, rien n'a changé en mon absence. Si ce n'est peut-être un peu Christophe. Je n'ai absolument pas changé, mon cher Philippe. Je n'ai pas changé. C'est mon regard sur le monde qui a changé. Oui, c'est ma vue, mais certainement. C'est pour ça. Désormais, je vois clair. Le monde est beau, et vous l'êtes également, Philippe. Le monde est beau, le monde est gris. Attention, Tosh Gaff contre. Oh, la droite. Attention! Oh, est-ce qu'il est? Oh, dans le poteau! Ah, il va remettre dans le poteau! Oh! Le zigzag! Le zigzag! Oh, c'est pas possible! Ah! Simplement deux! Combien? Simplement deux! Les deux hommes sont KO. Il a mis un coup de froid dans cette salle qui était pourtant chauffée à blanc depuis l'arrivée des Rollins. Et là, il a calmé tout le monde. On va voir ce qui s'est passé. Cette fois dans le poteau qui est là. Et finalement, Dolph Ziggler qui n'arrive pas à remporter ce match. Car Seth Rollins est encore là. Le peut-être futur champion universel est encore dans ce match. Oh non, il va imiter John Michaels, c'est pas vrai. Oh, super kick sur Dolph Ziggler! Encore un super kick! Wouh! Il a fait un super kick et quand Dolph Ziggler était à genoux, un autre super kick! Ah! Oh! Vas-y, Seth Rollins, vas-y! Hey, what? Brock Lesnar? Oh non, 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 non! Oh, il est là! Oh, c'est pas vrai! A mon avis, il va s'en prendre à Seth Rollins. C'est pas je pense, c'est qu'il va s'en prendre à Seth Rollins. Parce que à Extreme Rules, il a battu Seth Rollins pour le titre universel. Ah non, 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 non. Hey, oh, Brock Lesnar qui attaque Seth Rollins, c'est pas possible. Attention, German Suplex. Attention, German Suplex. Oh, c'est pas vrai. Il va l'attraper. Attention, non, non, non. Oh, il envoie dans les poteaux, dans les barricades. Oh, c'est pas vrai. Oh non. Oh, il l'envoie encore dans les barricades. Ah, j'aime pas ça. Honnêtement, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Souplex encore à l'extérieur du ring. Là les deux premiers sont dans le ring, mais là ils sont à l'extérieur. Il fait pas que juste envoyer Polyman et sa musique. Il est là. Incroyable. Je vais voir si ça filme toujours parce que. Ça filme encore. Parce que les... Oh, il va le prendre sur les épaules. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, 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 hey. Oh, ils sont sur le poteau. Oh. F5 sur le poteau. Oh. Il est remis dans la ligne. Ils vont s'emparer une chaise, bah voilà, ils vont s'emparer une chaise, voilà. C'est une punition, après punition, le champion universel n'est pas venu ce soir pour faire un petit coucou. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Seth Rollins n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Il va le frapper avec la chaise. Oh, coup de chaise. Il est en train de prendre son temps et de s'installer même dans le ring après avoir envoyé un coup de chaise énorme.
J'aime pas Brock Lesnar. Je l'aime pas. C'est pas méchant, hein, mais je l'aime pas. J'aime pas sa façon qu'il a à attaquer les gens. Là, Seth Rollins, il est à moitié KO. Il est attaqué par surprise. Mais là, Seth Rollins, il a aucune chance. Là, il va le reprendre la spine. Non, pas la chaise, non, non, pas la chaise. Non, 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 hé, hey, oh, les côtes. Les côtes. Oh, les côtes, ils ont pris un coup. Oh, putain. Wow. Il a fait carrément son rôle. Il a fait le fight ici, sur ça, sur la tranche de la chaise. Il lui a cassé les côtes. Oh, la vache. Ah, il va le refaire ? Non ! Refais pas ça ! Non ! Oh ! C'est pas vrai ! Oh mon dieu ! Il va le couper ! Il va le tuer ! Il va lui briser les côtes ! Et voilà, maintenant ils font faire un avec sa ceinture. Ah, attendez. J'ai vu, effectivement, oui. J'ai l'impression que cette fois-là, ça crache du sang. Oh, il crache du sang. Oh ! Il crache du sang, mesdames et messieurs. Oh ! Ça, c'est la... Oh, c'est pas vrai. Oh, non. Il lui a pété un truc. Il lui a brisé un truc. Oh, ah, il crache. Il faut l'aider là, c'est pas possible. Tout à l'heure on a... Oh, il va recommencer. Non, 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 recommence pas. Non, 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 il va recommencer. Mais non, pour qu'on le voit. Non. Non. Putain, mais c'est pas vrai. Il va le tuer. Il va le tuer. Oh, c'est pas vrai. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Voilà, j'aime pas. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Ah non, il pourra pas affronter Seth Rollins. Il ne pourra pas participer au SummerSlam. Il lui a fait deux F5 à même la tranche de la chaise. Il lui a peut-être brisé les côtes ou autre chose. Il crache du sang. Ah, ils vont montrer ça. Moi, je regarde pas. Oh, j'aime pas ce... Oh, les faces sur le poteau aussi. Oh, on va les faces sur la chaise encore une fois. Ah oui, c'est sur la tranche de la chaise. Oh là là, encore une fois, c'est pas. Là, on revoit les replays. Hein. Mais même moi, quand je revois les replays, je suis dégoûté, je suis horrifié. Là, il va quitter la... Les ambulanciers sont là pour l'emmener à l'hôpital. Bah voilà. Bah voilà. À l'hôpital. Parce que là, le pauvre Lynx, là, je l'espère, là. Oh, il crache du sang. Crache du sang. Oh, c'est pas bon. Chris qui dit quelle honte. C'est pas bon. Chris qui dit c'est vraiment fou, ce mec, il devrait se faire soigner. Certains beaux messages sont évidemment beaucoup trop vulgaires pour qu'on puisse les cisser, mais c'est très inquiétant. On les partage pour beaucoup. J'aime pas, il crache du sang, c'est dégueulasse. Bon, moi je vous laisse ici, je vous retrouve pour la deuxième partie.